Brad Pitt et David Lloyd ne sont pas des inconnus, elles, un pour elle, autre. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, leur relation remonte à plus de 20 ans. Cela n'a pas empêché le comédien de dépecher un espion pour voir comment David Lloyd travaillait avant de signer pour Bullet Train. C'est, et la révélation amusante, a fait la femme du réalisateur et productrice du film, Kelly McCormick, durant un entretien avec Collider. Selon elle, Brad Pitt aurait envoyé sa maquilleuse Verifier comment se débrouillait David Lloyd en tant que réalisateur. Et pendant les reshoots de Hobbs & Shaw, il a cette maquilleuse nommée Janie Black, qui est incroyable. David et elle étaient aussi amis à elle, époque. Elle est venue et a maquillé Jason lors du tournage, a raconté la productrice. Des habitudes, Hélène, est pas disponible. Elle s'occupe de Julia Roberts. Elle est toujours trop occupée. Mais elle est venue et a dit, je suis une espionne. Je dois voir si Lloyd a le truc. Et quand Brad Pitt et David Lloyd se sont rencontrés à la fin des années 1990, David Lloyd était la doublure cascade de Brad Pitt. Ils ont travaillé ensemble sur Fight Club, Ocean, S11 et 3, notamment, ou encore Monsieur Smith, en 2005, qui a été leur dernière collaboration. Mais jamais Brad Pitt avait travaillé sous la direction du cascadeur et régleur de cascade, qui avait évolué vers la mise en scène dirigeant John Wick. Si le réalisateur confesse qu'il a fallu quelques minutes d'adaptation pour qu'ils prennent leur place respective sur le plateau, David Lloyd a été ravi de elle, enthousiasme de elle, acteur. E.J. était excité et époustouflé par la façon dont il avait suivi ma carrière une fois que nous nous sommes quittés que J, et commence à passer à la réalisation en seconde équipe et à la mise en scène. Qu'apprécie ce que je faisais, et quand J, et appelle, il était excité à elle, il dit de collaborer à nouveau, a-t-il dit au Hollywood Reporter. Notons que Brad Pitt a tenu à réaliser la majorité de ses cascades dans Bullet Train.